compromission. Il veut sauver la patrie. Tout ce monde-là qui viendra autour du peuple pour sauver la patrie, il sera le bienvenu. Aujourd'hui, Paris, la diaspora parisienne du Congo, la diaspora congolaise du Congo, réunie dans chaque rouge pour marcher sur la place de la République, revendiquer les droits du sol. Nous ne voulons pas. C'est ce que Félix nous a ramené, la division, le tribalisme. On n'en veut pas. Nous avons 4 à 5 ans ethnies réunies autour d'une seule patrie qui est la FFC. Le tribalisme, on n'en connaît pas. Assoyez, ça va. 4 à 5 ans ethnies. Ça fait tellement longtemps qu'on a conseillé moi là-bas. 4 à 5 ans ethnies réunies, ils étaient plus Ouvrir ses yeux. Le peuple congolais est en train de pâtir. Partout nous sommes mal aimés. Nous avons 9 régions. Et ce pays limitrophe n'aime pas le Congo. Ce pays limitrophe aime le Congo pour ses minéraux. Ce pays limitrophe n'aime pas les Congolais. Ils aiment le Congo, mais ils n'aiment pas les Congolais. Peuple congolais, ils sont nous autour de nos grands leaders que je viens de citer, autour de Martin Fayulu, autour de Moïse Katumbi, autour de. Non, ils sont nous, le pays est en train de brûler. Écoutez, le pays est en train de brûler. Tout ce monde-là. Et ok, très bien, autant pour moi. Tout ce monde-là qui viendra pour sauver la patrie, il sera le bienvenu. Merci. Le peuple congolais, une de il y a qui le poignet. Le peuple congolais, une de chacun a au moins quelqu'un à qui il prête par rapport à la façon de connaître.
Congo. Notre diversité ne fait notre force. Notre diversité ne veut pas faire notre séparation. Diversité, c'est ça la force du Congo. Et l'unité a toujours été la marque du Congo. Et les fondations de la RPC, je lui tiens à la fin de la sédition de gauche à droite, et on reprend sa vie, parce qu'on est unis. L'unité, on est attiré la mission. Donc, nous, on peut faire un peu dans l'unité. Il n'y a que l'unité qui peut faire en sorte que tu solutionnes le problème.
L'enfer se trouve là où il y a des viols, des tueries, des massacres, des mutilations sexuelles, des exactions qu'on ne peut même pas dénombrer. Mais beaucoup de Zaïrois, Babani la banda pour la bango, parce qu'on a la télévision la bango, musique la bango, et ils sont dans la distraction, ils sont dans les bruits, ils sont parfois ailleurs dans d'autres mondes. Mais Bande Kolamaï, la RDC c'est notre bien commun à tous. Ce n'est pas quelque chose que Ichiomo a hérité qui a mort. Non, mes frères et sœurs. Non, mes frères et sœurs, parce que la RDC, c'est notre bien commun à tous. À ce moment, nous sommes dans l'obligation. C'est une obligation frère congolais. Il faut dégager Ichiomo et sa bande. Il faut les dégager par tous les moyens. L'article 64 nous y autorise. Et nous avons pleinement le droit de le faire. Parce que la RDC, c'est un bien commun. Nous sommes tous des copropriétaires. La mutualité, le contrat que tu nous as signé avec ses partenaires, Rwanda, Burundi, Uganda, Kenya et Angolais, ça ne nous concerne pas. Tchilombo a signé un contrat avec les terroristes de M23 que lui-même il les a appelés auparavant ses partenaires. Aujourd'hui, il vient nous dire que ce sont des terroristes. Alors, qui est dans le fond, qui est dans le fond, on est dans le tout, dans la confusion totale. Tchilombo a dit qu'il faut en dégager le plus vite possible dans l'économie. Tant que vous êtes là, et on vous donne les élections, et on vous donne les élections, ça va changer. Imaginez-vous à l'heure actuelle, tout ce que le M23 a fait à perquisitionner des forces comme territoire congolais et sous contrôle des autorités de l'EAC. L'EAC, c'est un milieu de bandes de voleurs, des gens qui se sont concoctés pour pouvoir séparer ou bien balkaniser la RDC. Voilà le problème. Nous sommes dans l'obligation de dégager Félix Tshilombo, l'usurpateur, monsieur 15%. Bravo, Kissou. Ingeta. Ingeta, mais pour Congolais. De côté. Ingeta. Ingeta. Je veux que vous puissiez soulever le nom pour manifester votre présence. Ingeta. Ingeta. Est-ce que les Congolais de la diaspora sont là? Ingeta. Ingeta. Ce qui nous a fait venir ici, je pense que c'est la conscience de chaque personne. Ingeta, nous sommes là parce que dans notre pays, Ingeta, nous sommes en train de souffrir. Nous sommes en train de génocide en République démocratique du Congo. Ingeta, c'est que premièrement, avant que nous puissions venir prêter
élections ont été touchées, ont été bloquées en 2018. Parce que celui qui a été élu, c'était le bien monsieur Martin Fayulu Madidi Ngata. On a nommé les docteurs de l'île Kwenge. On appelle jadis le réparateur de femmes. Mais quelles femmes? Ce sont les femmes, les sœurs qui sont violées par le pays Ngata. Est-ce que nous allons rester là en train de contempler comment est-ce que notre pays est en train de perpétualiser? On nous a mis quelqu'un qui est à la tête du pays, qui est là depuis sa vie, les occidentaux Ngata. Nous savons très bien que la police pompier est censée protéger, nous et finir avec les refus. Mais nous avons pesé notre problème à la communauté internationale. Nous avons vu aujourd'hui que dans notre territoire, la MINUSCO Ngata. Mais nous voyons tout ce que la MINUSCO est en train de faire à l'est de notre pays. C'est la MINUSCO qui est en train de piller le gouvernement Ngata. Alors, vu que dans les conscients, plus que jamais vous êtes là, je pense que d'ici une cinquantaine d'années, plusieurs d'entre nous ne seront pas sous ces terres. Mais où vont rester nos enfants Ngata? Nous voulons rester dans notre pays, dans notre pays Ngata. Et à la fin, on vous dit que c'est 26%. Vous voyez, parce que Les genocidaires, la FIFA, nous venons ici pour dénoncer.
lui c'est un ami d'enfance, lui c'est un ami de... Là, pas. Lui c'est... Ça s'appelle Filler, il est comme Filler. Donc c'est un combattant aussi, donc dans l'homme. De longue date. De longue voilà, non, ça c'est bien. Les amis viennent Filler. Ouais, c'est important. D'avoir des gens dans l'ombre aussi. Voilà. Ouais. Dans l'ombre. Malgré qu'aujourd'hui l'ombre devient difficile parce que il y a les portables. Il y a les téléphones portables qui trahissent tout le monde. Voilà. L'ombre est devenu difficile. Ramener le drapeau du Congo parce que les gens sortent. Pourquoi? Parce que vraiment, on dirait, moi je viens ici. Voilà, stratégie, ça a été tout le monde dit ça. C'est ça le problème. Aoudé et Bissanani, mais c'est comme si on ne comprend rien. La dernière réunion de l'Ogana Yingé, pas de drapeau, tout le monde a mis un drapeau. Il fallait vous barrer, les drapeaux seront là, pas mingi, il faudra uniquement les drapeaux congolais. Mais du point bas, je vais répéter combien de fois. Nous sommes congolais, c'est les Congolais qui est en feu. Je l'ai dit combien de fois? Combien de fois? Parce qu'il ne souhaite pas quelque chose, ça le problème. Combien, quoi, il a bossé, loué? Non, mais le problème, c'est tout le problème. D'accord, hein. Moi, je suis dans mon père.
toxiques. Ça, c'est ça qui se passe en RDC. En fait, les problèmes, on est en train de dénoncer les massacres et les tueries perpétrés par le Rwanda. Le Rwanda, et vous Français, vous croyez qu'il a été victime d'un génocide. Or, le génocide rwandais, c'est un génocide, bien sûr. Mais c'est un génocide qui s'est fait entre Rwandais. Ce qui est différent d'un génocide juif. Génocide des juifs ont été massacrés par les nazis. Ce qui est différent des Rwandais. Les Rwandais se sont pris les haches, les armes à feu et les couteaux pour s'entretuer entre eux. Et les Rwandais, ils ont mené une lobby dans ce monde pour dire aux gens que le génocide rwandais est comparable au génocide juif. Ce qui est faux. Et aujourd'hui, le monde entier subventionne les petits pays comme le Rwanda parce qu'ils ont été victimes de génocide. Et aujourd'hui, le Rwanda, à son tour, fait le génocide en RDC. Il décapite les gens, il coupe les gens. Regarde, comme cette petite enfant-là. Mais c'est le Rwanda qui massacre. Et le Rwanda est supporté par les États-Unis, est subventionné en grande partie par les États-Unis. Quand vous avez l'appui des États-Unis, vous avez l'appui du monde occidental, la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Australie et tout le reste. Parce que l'Union... Et en plus, vous rencontrez un problème, c'est qu'on se sent désinformé et on ne sait plus qu'est-ce qu'on doit croire, qui on doit aider. On ne sait pas, le peuple ne sait pas. Voilà, vous n'êtes pas informé et on ne vous le dira jamais. Ça ne peut pas se passer en BFM TV, ni à CNews, ni à TF1. Et vous ne le verrez jamais. Non, c'est vrai. Voilà, parce qu'ils savent, ils veulent que vous, Français, vous restez toujours dans l'ignorance de ce qui se passe ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Parce que... C'est bien, on vous entend là. Oui, là, c'est pour ça que moi, je suis un peu contre mes compatriotes. Quand ils parlent seulement dans notre langue, il faut parler en français, expliquer aux Français, pour que les Français savent le pourquoi de notre marche. Tous les gens ici, voilà, il faut qu'ils sachent. Voilà, il faut qu'ils sachent. Il faut qu'ils vous entendent au moins une fois, puis deux fois, trois fois, au bout de quatre fois, vous me regardez. Exactement. Voilà. Parce que tout ce que vous voyez là, ce sont des massacres qui sont orchestrés par le Rwanda, mais en RDC. C'est pour ça que quand les gens ils voient l'équipe de Paris Saint-Germain, qui ont un t-shirt arboré visite Rwanda, mais attention, les Rwanda, il fait cette visite dans le parc de Virunga qui est en RDC. D'accord. Parce que dans cette partie-là, le peuple a déserté et le Rwanda fait du commerce par le sang du Congolais, derrière le dos du Congolais. Mais le Rwanda, comme il est soutenu par les États-Unis, il est soutenu par toutes les grandes puissances. Et la presse, vous parlez à la presse? Oh, la presse française ne veut pas entendre ça. Il ne veut pas entendre. Non, il ne peut pas. Parce que, Macron déjà, il s'est réconcilié avec Kagame pour dire que non, nous on reconnaît la faute française. Et pourtant, la faute française, vraiment c'est avec beaucoup de doutes. Parce que là, les déclenchements des génocides, c'était l'assassinat du président Habyarimana, l'ancien président rwandais. Oui. Et ce président rwandais a été abattu dans un avion qui était piloté par trois pilotes français. Même la famille française, le gouvernement français les a indemnisés, après les a dit fermer vos guettes. Et c'est tout. Et c'est-à-dire, on ne saura pas la vérité de ce qui s'est passé. Parce que, imaginez deux présidents qui sont assassinés. J'espère que votre famille est ici. Deux présidents. Pas non, moi, ma famille, elle est au Congo. Mais ils se battent. Mais on ne peut rien faire. Il faut toujours se battre pour gagner quelque chose. Vous, Français, vous êtes un peu bien. On peut considérer comme ça que la France est bien par rapport aux Africains. Mais regardez les Français qui se battent pour leur retraite. Regardez les Français qui se battent. Moi je me bats pour qu'il n'y ait pas de fermeture de classe. Exactement. C'est Macron qui fout la merde. Ah, c'est ça. Pas seulement Macron, même Sarkozy et Macron, Hollande aussi, tous, ils sont pareils. C'est vrai, ils sont pareils. Je suis d'accord, c'est le pouvoir qui compte. C'est le pouvoir. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Tu donnes pas, tu es là en train de voir la bière à te manger.
Mais l'enfer se trouve au Congo, ma sœur. L'enfer, c'est au Congo, là où on tue les enfants et les femmes comme ça. Regardez comment on décapite. L'enfer se trouve au Congo, il faut le dire, ma sœur. Oui. Oh, my God.
Mégaphone n'est pas Jenny. C'est là, oh oh. Ah, bah, moi, Kumba, Mbamou, non, on peut être le pourquoi de ces matchs? Il faut leur expliquer. Baba saisir le message. Pour regarder beaucoup de gens, Thank you.
J'ai dit, sans micro pour me chercher les gardiens. Oh, yo, bon, bah, yo, gardien, je m'en ai mis pour te saigner. Fais-y, mon passionnant. Bonjour peuple français. Bonjour peuple français. La manifestation que vous voyez ici, c'est pour exprimer notre ras-le-bol face à l'État français qui est complice des génocides qui se passent au Congo, à l'RDC. Parce que ici en France, vous êtes bien fan de l'équipe Paris Saint-Germain, parce que c'est votre équipe. Mais vous savez bien que Paris Saint-Germain porte une marque qui s'appelle Visite du Rwanda. Et que Paul Kagame, qui est le génocideur rwandais, qui commet des massacres indestructibles en RDC, qui est accueilli ici en France, au château de l'Élysée, avec tapis rouge. Paul Kagame qui a fait tuer des Rwandais pour s'accaparer tous ceux du pouvoir, pour devenir un autocrate dans un petit pays comme le Rwanda. Et ici en France, les Rwandais l'applaudissent, les Français l'applaudissent, les Français l'accueillent par un tapis rouge. Alors, en RDC et en Afrique, les Africains meurent, les Africains souffrent au détriment du peuple français. Vous, vous êtes ici en France, vous vous réjouissez parfois, vous voyez votre téléphone, vous avez les smartphones, vous avez les tablettes, vous avez les ordinateurs, mais vous ne savez pas les matières premières qui est fabriquée, qui est faite pour fabriquer vos téléphones. Allô, Johnny Gauthier. La population française ne peut pas assumer. Ils sont en marche. Ah, là, château. Et pourtant, les dirigeants français. Marche à Mounène, donc marche à Mané. Je passe la parole à Mounène pour expliquer. Ouais. Bonjour, peuple français. Que Laurent va imaginer la WhatsApp pour Mounène. Si on marche aujourd'hui, c'est parce qu'il y a déjà tant de choses qui se sont passées en RDC. Mais toi déclaré donc, garde à l'est aussi là, Félix Wakembe. Ce même trajet, on l'a fait plusieurs fois, pour dénoncer les massacres qui se passent en RDC, pour dénoncer ce découpage, pour dénoncer ces boucheries, pour dénoncer tous ceux qui perdent le sang, ça, c'est l'œuvre du Rwanda. Le Rwanda que notre soutien. Ça, c'est l'œuvre du Rwanda. Et notre soutient le Rwanda. On est là pour dénoncer cela. Parce que 25 ans de guerre, ces génocideurs rwandais, qui se sont d'abord entretués entre eux, ensuite ils ont déporté le Japon à la France. Et la France, maintenant, a ratifié. Il est
Samba, 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 samba
Zamba, Zamba. Zamba. Asa na conférence na Kérou. Azali asa na sima. Asa na conférence na Kérou. Toki tolo mo toki na toki ta yaza na conférence c'est ce qu'il y a basa na Kérou. Pardon? Toulan na bango basi. Ouais et après toki tolo mo kuna. Après on va y aller là. Malgré l'élévation aux Zolbana, il faut aussi m'arrêter à Mindou Toboman. Oui, mais parce que Ndenga Luana,
même Bible et l'exhibition que histoire il y a Bible et Zali. Non, aux gens a raison. On a dit il y a prophétesse au bout de le bango tout à l'heure. Au moment où Bible et l'exhibition que Moïse Abunda qui meurt encore. Voilà, Moïse Abunda qui Samson Abunda qui ça va bitumba na ba se belle ba no kufa. Ba rwanda le ba zo pour ma biso wa. Moi qui les obéter ba ma poko wa. Na tiké pour la Congo hein. Oui, moi ba rwanda. Ba rwanda ba zo pour ma biso mo qui les obéter ba ma poko. Et puis ba zo faire même bon on a minuki. Une histoire pour la Congo. Oui. Alors, il faut que tu te dises, il faut que tu te dises. Ah oui. Il faut que tu te dises, il faut que tu te dises. Mais ça, je ne peux pas jouer dans le lobby, il est très fort. Moka, il est à côté. Mais pourtant, président, il y a le bas message où on a depuis. Ah ouais, mais nous avons dit non, Yoka, Yoka sert dans Gaï. Ma pasteur, tu vas dire, mais il y a beaucoup de chasse. Oui, exact. Mais tu vas quitter, tu vas quitter, tu vas quitter. Tu vas quitter. Et la question est l'élévation. L'élévation est depuis des années, c'est un oui, non, ça fait plus de 15 ans. La seule rapport, le servant de Dieu, mais c'est un États-Unis. Dans le monde, on a de commun en Dieu nous vaincrons. Mais on a un premier criminel dans le monde entier. Le pasteur n'a pas une abyssée, il a été mis aux États-Unis. Il a été le collabat américain. Oui. Mais oui. Voilà. Yo bunda na ndenga spirituel tso bunda. Mais na lingi boye, lo na lingi boye. Ba église ndé belé na Congo na ifo kangama parce que ba église wana zo kola li sa peuple pongi. Ba église wana ndé lelo yo. Et comment quoi dimanche manifestation, ba bino ma ke bata mana ba église. Na comment ba bino ba kona ba passé. Oui, tchama boye ba so pingai. Mwana kama ba bino ndé ba rencontre ba passé. Congo na so zo la tilo pona ba passé. Mais nous, on n'a jamais. Moi, je dis qu'à l'ambaye, jamais.
Non, mais non, il y a ça. Pas impudique, Wana. Pas Maï Kalambaï, jamais. Pas Moïse Mbiye, jamais. Non, loin de là. Pas ça, pas impudique. Non, loin de là. Naïe, quoi, Babino, ok. Mboka, on a pété Sali. Parce que, bah, serviteur de Dieu. Il y a le quoi, la banane. Le quoi, de Dieu, le quoi, bah, il fait ton manga. Ma bonne, on a besoin d'en assez. Oh. Ah. Ma bonne, on a besoin d'en assez. Yo, ma bonne, on a besoin d'en assez, mais. Mais bon, ma pasteur, respecte tout le temps, mais. Mais ma pasteur, on a besoin d'ici. L'être, on a besoin d'en assez. L'être, on a besoin d'en assez. Le respect se mérite. L'air de zone va soulèvement populaire. Va passer par Kangi va diminuer sur l'église. Combien de fois on va convoquer combien de fois on va prier à Congo? Parce qu'il y a qui? Est-ce que dans mon rabbin on a prié à Congo? Puis nous n'avons pas de faire quoi? Vous êtes juste une petite minorité. Pour l'organisation de la dynamique, c'est à vous de venir. Il y a une patriote. Organiser prière pour la Congo, on va le savoir. Est-ce que je suis étranger? On a besoin pour. Je suis congolaise. Maman, on a besoin pour. Mboka moko jamais bon dala mboka moko te développer dans la prière yebis dala c'est ngai mboka moko te développer dans la prière ah mais oye bunda rapé foko les prières ça te problème des ali on n'a pas de congolais arménie yo nwa balo minduko ya kagame azo beta biso ya sambela ngai la rwanda c'est pas rapport mais minduko ya kagame c'est mais vrai que tu es comme gars on a ben plus oui sous ali. Oh, bah vrai chrétien. Non, dans la lobby, moi tu vas quitter ma pasteur tout le temps. Non, voilà. Parce que bisonné tout ça, nous sommes à ma casse pour beaucoup en exemple. Voilà, non. Les commentaires allaient à Tuninga, ils n'attirent pas Tuninga. Non, maman, ils ne font pas pour après sa position pour maman sa prophétesse. Non, mais parce que même il y a beaucoup de personnes du matin. Non, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servantes. Nous allons prier pour le Congo. Exactement. Ce qui est Congo, c'est le Kabwanité. Le Kabwanité, parce que. Pour parce que le Congo, là-bas, c'est jouer le Bazali. Oui, pourquoi on a un combat à Yabouni Bandakala? On a parlé en Italie politique. Mais oui, ça montre qu'on a un combat et qu'on a un combat pour le Congo. Oui. Pour respecter la serviteur de Dieu. Oui. Parce qu'on prie Pélé. Oui. Et Pélé. Oui. Nous avons une autre forme. Mais la serviteur de Dieu, il y a un Malonga, il y a un Congo. Au moins, il y a un lobby à Serre Nangaï. Bah on va bon ma biso na est kuna ba oki mis biso na ba village na biso ba kangi ma belé mais ba toi zengi ndenge zali wana oui kilo bo zengi ko na ve sa na lobby hein ouais na zola nda yo moko le boza chrétien mais on a le premier à critiquer même pasteur non parce que là on se fait finga ba pasteur fini pas pasteur. Pasteur, non. Pasteur n'a pas soutenu en Congo. Pasteur n'a pas soutenu. Pasteur n'a pas soutenu. Donc, il y a tout le monde. Même ton pasteur n'a pas soutenu. Kalala ou Motunde. Mais tu crois à soutenir en Congo? A soutenir en Congo. Mais c'est bien. Mais alors, pourquoi il y a ça contre Pasteur? Il y a ce que Pasteur n'a soutenu en Congo. Yoka. Mais il y a ce pasteur qui est le Dino. Il y a ce pasteur qui est le Dino. Il y a ce pasteur qui est le Dino. Il y a ce pasteur qui est le Dino. Il y a ce pasteur qui est le Dino. Mais voilà, on a la ligne Penda qui va servir. Mais yo ligne à Boibi, même pas dans solo, la roule même pas ma message. Boibi, on a combattu Tina à YouTube. Ma message n'a rien effacé. T'as abonné à Congo. Mais on a regretté car yo yé, yo moko maman pasteur, mais bandimi non va kimi. C'est pas bien. Pour Kangi, on a l'église. C'est pas une habile hôtel, on va repousser à YouTube. Amouli maman Congo, t'as yo pour maman Congo, on a drapé les Congo dans Moutou. Mais bien sûr, aux alliés vraiment, vraie maman, il y a Congo. Mais bien sûr, contre la balkanisation, pour la balkanisation, t'es. Non. Voilà, toi, il y a contre la balkanisation. Contre la balkanisation. Voilà. Oui, parce que je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Mais, Ezaka va servir, mais pourquoi vous lancez ma partie politique? Ce qui me manque, Ezaka, c'est parti politique, et vous savez, là, où est-ce que papa? Ah, mais là, pour la partie politique, tu es. Oui, mais. Et ça, Natamboli, parce que Natamboli, il a tiré le drapeau pour le Congo. Mais ce qui est Congo, d'abord, c'est prioritaire, papa. Après, on a un parti politique, normalement, on a un débat au sol.
Congo na nous te colère non à la balkanisation. Il y a un détoyé mais pour tomber le drapeau on saute. Tout tomber le drapeau mon cas y a Congo. Vous allez na raison mais n'engue toi li awa. Maman n'a pas son Congo d'abord. Les Congo il faut les aller plus que Batou. Comment il faut en assommer à un kebab individu? Mais nous le but à la batte, nous sommes des bassins qui sont derrière la batte. Mais oui, nous avons compris le cigare aux alliés. Mais nous avons dit que nous avons dit que nous avons président que nous avons dit que a avons dit que nous avons manifesté. Surtout si on a tout dimanche. Au moins, on a un pasteur, on a un veillé, on a un bandit mignon. On a une église. Ah, mais oui. On a un macambouana. Non. Macambouana, on a un et là, on a un petit apotoir. Nani, dans le Château Rouge, est-ce que tu as une manifestation? Dans le Château Rouge, est-ce que tu as une bande à manif? Parce que Bélé, dans le magasin, on a les mots, on a un petit tour. Tony, Tony. Non, mais il y a un côté racidé, un côté à payer. Il y a un côté à marche. Il y a un côté à marche. Sans Jésus, voilà. Même président de la République, tu es obligé de soutenir même Rabat. On est Poutine. N'importe quel président de la Congo, il faut soutenir. On est Poutine. N'importe quel président de la Congo, il faut que tu aies un peu de sang. Pourquoi tu es papa? Je suppose. Mais oui. Quand tu es président de la République, il n'y a pas de liberté. Papa, il va profiter de ma promo et Angola. Mais bah, Roland, dans l'autre. Il va soutenir vos dirigeants. Tout ça, on discute. Il va prier pour vos présidents. Prier pour vos rois. Il va me délobier. Mais où est la Bible? Mais où est la Bible? Bible est bien quand même de Tinder, il va se faire défendre ma belle. Non, voilà, c'est Pierre, t'as vu que Belgique, aïe manif. Aïe manif. Aïe manif, aïe manif. Est-ce que le local a monifié son coup? Voilà, c'est Pierre, aïe manif. Aïe manif. Belgique, comme la maman, on va vous donner le château rouge. Eh, bah, t'es un débat qui t'a vu, ouais. Mon gars, il y a un mois, il y a un mobile, il y a un panneau. Le serviteur de Dieu, parce que nous faisons beaucoup. Nous avons notre part, nous ne sommes pas des serviteurs pour nos offrandes, mais nous combattons d'une autre manière parce que nous sommes des armées de Dieu. Balkanisation, ils ont la marche. Ils ont besoin de Willy. Ils ont besoin de M23 pour la Bissot. Mais ils ont besoin de photos pour se faire ensemble dans la M23. Vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sauf que tout le monde est là, c'est trop tard. Tout le monde est là pour le gouvernement, il ne faut pas être la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Il faut tout y aller. Il faut tout y aller. Qu'est-ce que vous cachez, Bissot? Mon cannabis est en danger. Ceux qui ont les mines et l'autre, mon côté à côté de ma cannabis. Le peuple se libère. Personne ne le fera à notre face. À notre place. Tout compter la communauté internationale, tenir le gouvernement, Bissot, tout les mains. Tout le monde a vu tout le monde. Oh, Pierrette.
Oui, je suis là avec les enfants. Oui, 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 avec les enfants. Tu sais, l'air on est qui à Wander, on me dit Bakan ici. Ah oui, vraiment. En direct de Belgique et tout, tout droit à la marche. C'est bien. Ah mais bien. Ah mon nana, ah oui, ah oui, ah oui. La RDC, la République catholique du Congo, sortira de la francophonie.
Nous sommes la RDC et le deuxième pays au monde en population. On est là. Personne qui parle. On est ensemble. Le Congo ne tombera jamais. On sera debout jusqu'à la mort. Jamais. Nous nous battrons jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Si le mot honte, on ne se fatiguera jamais de se battre pour notre pays. Ah oui. Et on ne le laissera jamais. Au même ça, on est en deçà là. Le moment venu pour juger. La lutte ou la mort, nous vaincrons. La lutte, on vaincra obligatoirement. De toute manière. Voilà. Et on va transformer ce pays. Ingeta. 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 Voilà. Ingeta. Ici en France, ici en Afrique. Mais chez nous. Mais c'est l'Afrique libre. Le président français, nous sommes contre la politique. Azali Bosso, Azali Boitu, Azali Abana. La France, nous sommes contre la politique. Eric, alors que le Rwanda est une nation qui a réalisé sa propre génocide, alors le président français Emmanuel Macron est en train de faire un plan contre les Congolais. Voilà votre arme, chers Français, chers Françaises. Ce n'est pas contre les Paris, ce n'est pas contre les Paris, le président de France que nous avons demandé. Ce n'est pas contre les président français. C'est contre la politique française, menée par M. Macron. M. Macron organise un plan d'extermination de Congolais. Voilà notre rêve. Nous avons rappelé de la politique de M. Macron. M. Macron est en train de tuer le Congo. M. Macron organise un plan pour diffuser le Congo. Voilà la rêve de Congolais sur la rue de Paris. Chers Français, chers Françaises, nous sommes là aujourd'hui parce que nous sommes un peuple indigné. Nous sommes un peuple indigné. Monsieur Macron, il est en connivence avec ce qui tue le Congo. Monsieur Macron est en connivence avec ce qui tue le Congo. Monsieur Macron est en connivence avec ce qui tue le Congo. Monsieur Macron est en intelligence. Je suis venu à la maison.
Manifestation, on prévoit qu'on ne peut plus là. Maintenant, on a été choqués dans vos salles. On a eu un ticket à train à dernière minute d'ailleurs. Mais il aussi le besoin de peuple africain, nous, Congolais, que nous sommes présents. Je suis allé à la conférence. Ok, elle fait sa banane, hein, maman, elle dit beauté, ciao. Voilà ce qui se passe. Les problèmes en RDC. Ça, c'est des massacres. Les problèmes, d'abord, c'est la, les et tout est parti du génocide rwandais. Les Rwandais se sont massacrés entre eux. Ce qui est différent des génocides juifs. Génocide juif, les juifs se sont fait assassiner par les nazis. Voilà. Ce qui est vrai. Mais les Rwandais se sont massacrés entre eux pour le but du pouvoir. Alors, à la fin du compte, Paul Kagame a fait une lobbying pour dire au monde entier que les génocides rwandais et les génocides juifs, c'est pareil. Ce qui n'est pas pareil. Les génocides juifs et les génocides rwandais, ce sont des choses différentes. Les juifs ne se sont pas tués entre eux. Mais les Rwandais se sont tués entre eux pour une conquête de guerre de pouvoir. Ils se sont fait génocide entre eux. Et aujourd'hui, suite à cette reconnaissance de génocide, les Occidentaux fournissent le Rwanda avec des millions de dollars. Ils subventionnent le gouvernement et le Rwanda. Et aujourd'hui, ils ont fermé les yeux au massacre que le Rwanda fait en RDC. Le Rwanda, c'est un minuscule pays, si vous regardez même dans une carte géographique, c'est un petit, très, une petite territoire de, sur la surface de la terre. Et eux, ils vont en RDC pour tuer des Congolais, pour que les Congolais fouillent leur village et eux, ils récupèrent les terres pour essayer d'agrandir les territoires rwandais. C'est ce qui se passe en RDC. Voilà pourquoi nous dénonçons la balkanisation de la RDC dans cette marche. Voilà. C'est le but de notre marche. Et notre souci est que Paul Kagame, quand il vient ici en Occident, tous les dirigeants occidentaux, les Américains, les Anglais, le déroulent le tapis rouge. Parce que les minerais, les matières premières qui sortent de la RDC viennent ici en Europe, en France, en Angleterre, aux États-Unis. Les plus grands bénéficiaires, c'est les Américains. Et dans ce monde, si les Américains vous soutiennent, même si vous êtes Français, vous ne pouvez plus s'y opposer. Vous savez, comme moi, c'est des cas. C'est le cas. Si vous êtes Français, un Français ne peut pas s'y opposer à tout ce qui est comme approbation des États-Unis. Donc le Paul Kagame a l'approbation des États-Unis parce que les États-Unis, ce sont eux qui ont encouragé et organisé cet génocide qui s'est fait au Rwanda. Et aujourd'hui, pour se faire amende honorable, les États-Unis soutiennent le Rwanda avec les armes, avec les formations militaires pour que les Rwandais tuent les Congolais pour s'accaparer des territoires congolais. Voilà pourquoi nous dénonçons la balkanisation de la RDC par le Rwanda et surtout par la communauté internationale qui soutient les Rwandais. Voilà. Merci. C'est ça notre message. Merci, madame. Amérique, Katanga, et Katanga, il y a un grand territoire à côté à Walikale.
que la RDC ne peut même pas survoler. On a un reportage à l'Infoca. On a un émission. Mais bien sûr, exactement. Oui, la RDC est riche partout. Oui. Corisi, c'est le premier pays le plus riche du monde. Eh oui. RDC. Voilà. On est ensemble, on vous attend à la place de la République. Tozali Koyawana, Tozali Kokendewana Malé Malembe, la cortège, Yosoko Roya, Zela Bisokuna, on arrive. Mais oui, au moins, on a toujours la balkanisation pendant que nous sommes encore en vie. C'est vraiment triste. Deuxième pays de plus riche. Parce que mon gars, ma papier va tirer à ma casse. Exactement. Mais ma bon gars, ils ont ma belle dans le sous-sol. Eh oui. Mon gars, ma papier, tiens. Mon gars, c'est le sous-sol. Et c'est matière première. Il y a un témoin dans ma bosse. Alors, on va redéfinir. Ma camoille, il y a un nom, le barana, le loyo, la guerre à Russie. Pas te belle, pas comprendre. Parce que la Russie a besoin de dirigeants, on a 17 pays. Il va partir, on a 17 pays. Il va échouer. Par rapport à l'arme hypersonique, il va se douter. Il va se concater. L'arme hypersonique, il va se douter. Vous comprenez ? Pour que les binaires fassent ça. Mais RDC, attends. Bonjour, Denzel Moulamba. Vous comprenez ? Le RDC n'est pas un peu de armes nucléaires. Il y a des armes nucléaires. Il y a des armes nucléaires. Nous allons les rouler pour la bonne. Bon, on avance. On avance, hein. Cette fois-ci, il n'y a pas de bonne. Ok. Merci Jenny Fouti. Jenny. Maman prophétesse. C'est mon mingo pour la yowa. Bravo. Balasi masoko yé yé langa bandi mina yo tozala et tout le coup ya bato. Non, yaka ngai muna ko sala ngo manifestation na ko organiser yango. Yaka na batu, yaka na etuluku ya batu, mama prophétesse, et kozala malam.
Oui, ton lobelaka à Congo, par l'église, nous sommes à Congo, tu es au Kanga. C'est la raison de lobelaka à Congo. Oui. Ouais. La vérité des sûrs. Ça, c'est le passé. Ça va, ma sœur? Ok, vraiment. Il y a YouTube à chaque fois. Ah oui, c'est bien. Ah oui. Ah oui. Exactement. Moi, été. Oui. Exactement, sœur Nangaï. Exactement. Non, mais il faut aller parce que lobby n'a mboka oye makambwe kokende lobby so ki mboka changer to on a besoin ya ba connaissance ya ba tout nyoso pour na to tonga mboka na to développer mboka wana bande ko na biso bele to tangi awa to ye koli ba métier ya makasi awa ya bien oye ko ki ko sala to développer mboka lelo oye so ki biso nyoso to bito vanda kaka to kupa awa mboka alam to tonga ngwa zate voilà. Et moi, été, ça là déjà côté que nous est, na parti à est, comme il y a ma belle na biso. Kagame stratégie na ezali que ceux qui ba militaire wana ba rwandais ba koti ba mon armée té ma belle wana et koti kala kaka na maboko na ye. Ma belle na biso koti kala kaka maboko na ye, ye moko a soit charge d'ango et comme ma rwanda a étendre vraiment à concrétiser au ezali balkanisation oyo ba tunyo so bazali kolo. Voilà pourquoi il faut te bouda. Ils ont que du pétrole. Oui. Mais nous, on n'a pas beaucoup du pétrole. On a beaucoup de diamants. On a beaucoup d'or. On a de l'uranium. On a du lithium. Exactement. On a du coltan. On a tout ce que vous pouvez imaginer. Mais nous voilà, immigrés ici en France, en train de pleurer. C'est Macron qui va enfoncer le clou en allant négocier avec le Rwanda pour qu'il puisse couper notre pays en morceaux. Et on dit non. Pas un seul centimètre de RDC partira au Rwanda. Macron, écoute-moi. Pas un centimètre de la RDC partira au Rwanda. Pas un seul. Si tu es un homme, essaye. Pas un seul. C'est là que vous allez voir la colère du peuple congolais ici. Pas un seul centimètre de RDC va partir au Rwanda. Ingeta Jenny, Ingeta ma sœur, Ingeta. Ouais. Jenny Fouti, voilà. L'enfant terrible, Papi Kawaya. Kadirov. Kadirov. Vraiment. Zelezmir. Zelezmir Kuna. Yabisabiso ni nous a préparé pour na okende ko sala, pour na ko sauver RDC mboka ya bakoko. En fait, ma plan B de Jérusalem. Élection pour Nabiso, Isaac, toujours préparant comme clé de déclenchement. Tu as dit que tu le mais Isaac pour Nina déclenchement. Maintenant, peuple congolais, tu as dénoncé, l'arrivée de Macron, qui a été complicité de Sarkozy, pour côté qu'à port Nabiso, il y a Matadi, pour freiner le sous-sou. Bon, il y a hop profond, il y a Mwanda Bona. Oui. Bah ça là, pardon, bah ça là, moi, la police est encore perturbée, c'est bon, excusez-moi, Bandico. Vraiment, la directe à Bissot. Il y a plein de choses à dire, mais vous savez, comme ici, on est tous agités, donc il n'y a pas moyen de s'exprimer très bien. Mais de toutes les façons, quand on arrivera à la République, on doit parler beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Bandico. On est à la guy, papi, Kaewa, il y a Mobunde, Limonen et Yamboka. C'est un combattant de longue date, donc Mobunde Mone Yamboka. Voilà pourquoi Azaki n'a besoin de payer après sa vie au moins où ils allaient message.
Donc Mboka Nabiso et Zali Kokende, Mboka et Koti, Nakati à balkanisation, oui, ce n'est pas grave, il faut Tika. Nazaro et Deya au Kokane Hotel Misate. Oh Tchara, c'est tout. Bon, le voir Banzam. Pas qu'on a des toilettes en panique, mais je veux pas faire le premier pas. Au moins, pourquoi on va bon marabout sans pitié? Bango va y aller, l'eau là, les alliés en fer et alliés. Ah, c'est ça. Bon, quand il s'attaque, que... Vous savez? Natuni, c'est mec dans la moi qui l'a aussi mené à beaucoup. Parce que beaucoup n'ont pas la vision au monde à bon moment. Bah on a qui ne bah mona yangote, bah yebi yangote. Parce que l'information là qui nous a circulé était. Nous ici nous avons beaucoup d'infos au niveau de la mais bango na kin ba yebite ke ba pasteur na bango baza ba pedofi ba bango jiga zo bim ni tuma ba ah zo mo ba zo mo 2000 3000 ba zo futa bango pe téléphone oui téléphone ba futa bango pe trop cher yo to go zo téléphone no to da appeler les 5 jours le téléphone est trop cher au Congo que ici en Europe ah to na pouvoir d'achat mo relevé mais téléphone na biso to futa ra moins cher c'est pas normal ser na ngai. Ah, tu as solo téléphone. Tu vois? Ah, fais ça et mbote. Le bané a un moi si moko terrible, pe ma kasiawa. Oui, oui. Ouais. Allô papa. Allô. Ah, bonjour Ndeko. Bonjour, bonjour. Moi si nayo aza terrible, pe ma kasiawa na niveau ya persuasion, nazo comprendre té. Quand on a persuadé, à côté de combat, on a un peu plus approfondi, mais on a persuadé, on a comme un monde, mais à l'église. Donc, ce qui est bizarre, tu as une tête ici, tu as une queue de poisson. Pour moi, il y a comme un combattant, il y a un monde. Donc, merci beaucoup, vraiment, pour encadrer Malam, pour être tenace. C'est vrai, merci. Journée, Malam. Passez au cerf. En tout cas, merci. Mais oui, pour ceux qui sont pour ma boue, tout ça c'est le Congo qu'on met en avant toujours. Il faut mettre le Congo en avant. Ok. Attendez-nous là-bas, on arrive devant. Ah.
Amélie, on est en moto après à hier. Ah oh là là. Il y a des arabes à Fali. Bah, il y a un qui est mon côté. Bah, ça va, on est musicien. Il y a Zara musicien. Azara Talago. Azara Talago. Bonjour madame, vous voulez savoir le but de la marche hein? Oui, je ne comprends pas. Voilà, c'est normal, vous ne comprenez pas parce qu'ils parlent une autre langue. Mais la marche, le but de cette marche est de sensibiliser les Français et la France aussi. Parce qu'il y a un mensonge qui est distillé dans le monde entier. Donc, parce qu'en RDC, il y a un génocide qui se passe. Mais le monde entier n'est pas vraiment au courant. Vous, la population française, on ne peut pas vous dire ça dans les télévisions françaises, BFM TV, CNN ou bien. On vous parle Congo juste pour, voilà, pour les mines. Voilà. Et oui, le Congo aujourd'hui est victime de sa richesse. Parce que le Congo a tellement beaucoup de richesses. Et aujourd'hui, les Américains, les Français, les Anglais, les Hollandais, les Australiens, le monde entier ont pris un sous-traitant africain pour commettre des génocides au Congo, pour pouvoir piller ces matières premières, pour amener ici, pour faire le bonheur des Occidentaux. Pas vous spécialement, parce que vous et moi, voilà, vous et moi, exactement. Voilà, le problème c'est quoi? Je vais d'abord aller par un débit un peu dans l'histoire. En 1994, les Rwandais se sont entretués entre eux. Les Rwandais se sont entretués entre eux. Paul Kagame et ses milices rebelles, ils ont abattu l'avion du président Juvenal Habyarimana qui était le président rwandais. Cet avion était piloté par les pilotes français et ses deux assistants. Tous sont morts, sont des Français. Les pilotes français et ses assistants et son copilote et l'autre technicien de bord, mécanicien de bord, il est mort. Le gouvernement français a miroité les familles de tous ces Français, moyennant quelque chose pour qu'ils ferment la bouche. Ça s'est passé. Parce que la justice n'a pas été vraiment claire dans cette histoire-là. Malgré que ce sont des Français qui ont été assassinés par Paul Kagame. Et le problème, c'est quoi? Paul Kagame, aujourd'hui, lui qui a fait créer lui qui était à la base de cette génocide rwandaise, aujourd'hui, Paul Kagame est en train de faire un génocide au Congo. Et ce qui est bizarre, les Occidentaux subventionnent le Rwanda parce que le Rwanda a connu un génocide atroce. Or, le Rwanda, Paul Kagame et ses amis rwandais, ses frères rwandais, ils sont partis dans tout le monde entier pour dire que le génocide rwandais et le génocide juif, c'est pareil. Mais c'est faux. Parce que le génocide des juifs, les juifs ont été assassinés par des nazis. Les nazis n'étaient pas des juifs, parce que sinon ils n'auraient pas tué les autres. Oui, oui, mais les nazis avaient une idéologie comme ça, oui, on peut dire. Mais c'est comme en ce moment, voilà. Ceux qui exploitent vos richesses, oui. les écolos, si vous les écoutez, il faut que tout le monde ait une voiture électrique. Non, mais laisse tomber, les richesses là, ça pollue aussi autant que les autres. Oui, mais madame, mais les Rwandais, ce sont des Rwandais qui se sont entretués entre eux pour la conquête du pouvoir. Oui. Maintenant, ceux qui sont au pouvoir avec les armes, ils maltraitent maintenant
les minorités, les la majorité des Hutus. Et ils disent que les génocidaires, ce sont des Hutus. Aujourd'hui, au Rwanda, si vous dites quelque chose, on va vous dire, vous dites vous êtes Hutu, on va vous dire, ah, vous êtes des camps de génocidaires. C'est pour ça, au Rwanda, vous ne pouvez... Il y a quand même un truc que je ne comprends pas en Afrique. Hein. De tous les temps, ouais. L'Afrique a passé son temps à se battre. Ah, mais madame, vous avez totalement raison. Cette question-là, je vous réponds. Mais c'est l'Occident qui manipule les Africains pour qu'ils s'entretuent. Alors, les Africains sont très bêtes pour se laisser manipuler depuis toujours. Un Africain, il peut étudier ici à Saint-Cyr ou bien à Sorbonne avec un Français quand il part en Afrique. Il ne fait plus rien. Voilà, il oublie toutes ses connaissances acquises dans des bonnes universités. Voilà ce qui tue. C'est ça, les mâles africains. Les problèmes, oui, les problèmes c'est quoi? En RDC, il y a un génocide qui est subventionné par la mairie